Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer. Par mesure de précaution, cette eau suspectée d'être atteinte d'une pollution ne doit plus être utilisée ou consommée. Cette consigne est valable aussi pour les animaux. Merci pour votre compréhension. Mairie de Marignane. Marseillaise, Marseillais, Française, Français, tous les amoureux de la nature, bien le bonjour. Cette consigne est valable également pour les animaux. Donc toi tu vas dire à une chèvre qui passe par là, chien, n'importe qui, hop, 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 hop. Avant de voir, lis bien ce qui est marqué, sans déconner. Venez. Je suis toujours sur la commune de Marignane. Et dans quelques mètres, je vais arriver à Châteauneuf-les-Martigues. Il faut savoir que c'est le terrain qu'ils ont en commun. Donc moi, je leur propose de s'unir et d'envoyer une équipe. Vous avez peut-être 2-3 jours de travail. Vous enlevez tout ça. Et à la limite, vous mettez un petit portail avec l'accès pompier. Un là, un là-bas. Au moins, c'est sécurisé. Devant un panneau air de manœuvre pompier. Donc c'est pas moi qui l'ai mis, c'est un panneau qui est là. En fait, ça sert à quoi? Ça sert, si un jour il y a un incendie ici, à ce que les pompiers puissent manœuvrer en toute sécurité, puisque uniquement un seul véhicule, peut passer par cette route. Voilà, donc je remets en cause juste cette sécurité. En aucun cas, je remets en cause la sécurité dans le site de stockage de gaz qu'il y a juste en face. Juste de vous montrer la réalité, c'est que les pompiers ici n'ont aucun accès. Voilà, on visite. Regardez, comment un camion de pompiers, expliquez-moi comment il va faire pour tourner ici. Expliquez-moi, voilà, là, je suis là, hein, parce que ça parle beaucoup sur Internet, mais on les voit jamais sur le terrain, les gars. Alors tu les attends, oui, on vient surveiller les terrains et tout. Vous surveillez quoi? Vous surveillez quoi? Voilà. Voilà, donc les pompiers sont censés passer par là, tourner pour faire des manœuvres, éventuellement intervenir s'il y a un feu. Donc chose que bien sûr je ne souhaite pas, vous l'aurez compris. Donc suite au reportage sur Stogaz, donc la vidéo en direct, et pour sensibiliser encore plus la mairie de Marignane, j'ai pris rendez-vous avec le maire, Éric Ledizé, que je remercie du plus profond de mon cœur, une personne très sensible, et qui devait me recevoir entre deux rendez-vous. Au final, je suis resté avec lui près de 2h30. Et il en est sorti de cette réunion, et j'en suis très très fier. Car monsieur le maire, Éric Ledizé, s'est engagé à tout faire nettoyer. Vous ne rêvez pas, peuple marignanais, il s'est engagé à tout nettoyer. Il a été très sensibilisé par la vidéo et il était très déçu de ne pas être au courant de ce qui se passe dans sa propre ville. Il a été très énervé, il a convoqué donc ses adjoints. Ça a été vraiment une dure journée pour eux. Quoi qu'il en soit, le résultat, dans le courant du mois, dans les deux mois à venir, temps de se mettre en place avec la métropole, c'est qu'au final, on va gagner. Et si le maire de Marignane réussit à faire tout nettoyer, alors pourquoi pas vous, maire d'une autre ville en France, vous aussi, vous avez des droits, vous aussi, vous avez des pouvoirs. Donc servez-vous de tout ça pour faire régner l'ordre dans votre ville. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Et je dis merci, merci à monsieur le maire. Allez les amis, pour la visite guidée, suivez-moi! C'est quand même scandaleux de voir dans le cadre où on vit, c'est tout simplement magique. C'est terrible tellement c'est beau. Mais voilà, le problème c'est qu'on laisse tout faire. Malheureusement en France il y a trop de droits et
pas assez de devoirs. Voilà, il est temps de se rassembler, chers amis. J'appelle donc tous les blogueurs marseillais. Je pense à Ben Gouze, je pense à Laurent Febvé, à Greg Empêche-moi. Je pense également à tous les chanteurs, à Soprano. Je pense à Alonso, à Moussa Mascri, le comédien marseillais. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi pour ça. Je vous demande de faire une vidéo simple à me contacter. À tous les amis marseillais, taguez-les. Hashtaguez-les pour qu'ils puissent voir ce reportage. Et ne l'oubliez pas, c'est tous ensemble et uniquement tous ensemble qu'on va réussir à convaincre tout le monde d'être propre. Car ne l'oubliez pas, l'union fait la force. Marseillaise, Marseillais, Française, Français et tous les amoureux de l'environnement, on partage les amis.